Chaosu tout le monde, petite réception du jour. Des Heroclix Tortue Ninja, série 2 quasiment complète. Des Unko, les 4 tortues version dessin animé. Le Roi des Rats version comics. Shredder version comics. Bebop et Rocksteady version dessin animé. Après les Foot Soldiers. Etc. April O'Neil. Enfin bref, vous connaissez le mutagène. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'ouverture du booster Spider-Man Heroclix, comprenant 5 figurines complètement au hasard, comme d'habitude. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Bon, procédons à l'ouverture, vu que c'est ce qui nous intéresse. Hop, je sais pas si on voit bien. Alors. Allez. Carnage. Oh oui. Il y a du bon là. Mary Jane. Oh cool. Ouh putain. Oh celle-là. Alors, nous avons du Spider-Man, du Carnage. Bon, bah, je crois qu'on peut dire que c'est le meilleur booster que j'ai eu jusqu'à maintenant. Hop. Où j'ai mis mon couteau? Ah, vraiment pas mal. Je ferai des photos comme d'habitude des Tortues Ninja et compagnie. Hop. Du coup, ça c'était pratique. Tac. De face cette fois. Oh non, vraiment magnifique. Mary Jane. Waouh. Carnage. Ouh. Carnage. Waouh. Petite pensée à mon ami Roberto. Carnage. Spider-Man. Pas mal en plus cette colorie. Hein. Elle a de la gueule. Ouh, celle-là là, de Mary Jane. Ouh là 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 là. Juste pour ça valait le coup. Dans une bonne petite ouverture. Hein. Eh bien, c'est tout pour cette fois. Vraiment une bonne ouverture. Je vais voir quelques Heroclix Tortue Ninja. Je sais pas si vous voyez bien. Raphaël. Donnie. Mikey. Le roi des rats. Casey Jones, version dessin animé de notre jeunesse. J'espère que vous voyez bien. Il y a celui-ci aussi. Je crois que c'est la version comique celui-ci. Ou le dessin animé plus récent. Bebop. Bon, je vais pas tous vous les montrer, de toute façon je ferai des photos. Rocksteady. Qui on pourrait vous montrer? Hop. Alpha One. Et on va finir sur April O'Neil. Allez hop. Voilà. C'est tout pour cette fois. Ciao sous tout le monde!